Quels sont les 8 symptômes pour savoir si vous manquez de la vitamine D? Une vitamine qui est très intéressante puisque contrairement à toutes les autres vitamines, elle a un fonctionnement comme une hormone, c'est-à-dire qu'elle est réceptionnée par toutes les cellules. Et elle est super super importante pour notre corps. Je m'appelle Albena de Marre de la ménopause que j'ai créé il y a quelques mois parce que justement moi-même j'en avais ras-le-bol de tous ces symptômes multiples qui me sont tombés dessus et depuis quelques années sans que j'aie rien demandé. Alors, quels sont les 8 symptômes effectivement? Donc le premier, c'est le fait que vous pouvez tomber malade. Donc vous me direz, bah, effectivement, je peux tomber malade pour plein d'autres raisons. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça va être le cas des 8 symptômes que je vais vous citer tout à l'heure. Parce qu'en fait, tous ces symptômes ne sont pas spécifiques. Et il est très, très difficile, ils sont subtils et très difficiles de savoir. Mais si vous accumulez quelques-uns de ces symptômes, effectivement, c'est la question de se poser. Et quand je dis tomber malade, c'est plutôt du style j'ai attrapé froid, j'ai la grippe. Voilà, donc c'est-à-dire que j'ai un problème au niveau de mon système immunitaire, donc qui se protège, mon corps se protège pas suffisamment bien contre les bactéries et les virus, donc c'est une question à se poser. Alors, le deuxième, c'est effectivement le fait que vous pouvez être fatigué. Donc ça peut être aussi un symptôme de la vitamine D, il y a plein d'études qui l'ont prouvé. Après, le fait que vous avez mal à vos os et au dos, et surtout dans la partie basse du dos. Vous savez très bien que la vitamine D est importante pour l'absorption du calcium par le corps, donc elle est vraiment essentielle. Et du fait qu'effectivement vous avez mal aux os, dans la partie basse du dos, etc., c'est une indication que vous pouvez peut-être manquer de vitamine D. Alors, pareil, il y a plein d'études qui ont été faites. Quatrième septembre, c'est le fait que, par exemple, vous avez des plaies, des cicatrices, des choses comme ça qui guérissent très lentement. C'est-à-dire que votre peau a du mal à se reformer de nouveau pour couvrir ces cicatrices et pour, voilà. Donc, ça, c'est une indication. Effectivement, il faut savoir que, pareil, donc, comme la vitamine D agit beaucoup sur les systèmes immunitaires, inflammation, infection, etc., contre toutes ces choses-là, donc, ça, c'est encore un septembre à observer. Et s'il est en combinaison dans ceux que je viens de citer, effectivement, ça peut être, voilà, cette combinaison, en fait, ce mix de plusieurs symptômes, ça peut être vraiment une bonne indication. Cinquième, c'est le fait de perdre de l'os. Ça, c'est la fameuse ostéoporose, le fait que votre densité osseuse diminue. Et ça, c'est vraiment le signe de vieillissement naturel, de le fait que quand on vieillit, ben, effectivement, on a plus de besoin de vitamine D que quand on est jeune. Sixième symptôme, le fait que vous perdez les cheveux. Pour la perte de cheveux, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien, regardez, donc j'en parle. Il y a beaucoup de facteurs, y compris psycho-énergétiques, dont il est question dans cette vidéo. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais on présume aussi que la vitamine D peut contribuer aussi à la chute des cheveux. Septième, le fait que vous avez mal aux muscles, ça c'est encore un signe de manque de vitamine D, difficilement identifiable cette fois-ci, mais encore une fois en combinaison avec les symptômes cités tout à l'heure, donc c'est une interrogation à avoir. Enfin, huitième symptôme, c'est la dépression. Si vous êtes déprimé, pas bien dans vos baskets, etc., c'est peut-être, par le fait qu'il y a plein d'autres raisons, bien entendu, surtout pour la dépression, c'est encore une question de se poser sur le manque de la vitamine C. D. Alors, donc, où on trouve la vitamine D? Effectivement, tout ce qui est poisson gras, des produits laitiers. Pareil, je n'ai fait une vidéo plus explicative à ce sujet-là. Je vous mettrai le lien. Donc, regardez la liste complète. Ce n'est pas difficile à la trouver. On sait aussi qu'il y a 3 choses pour remédier. Effectivement, manger plus des nutriments dans lesquels il y a la vitamine D, donc des poissons gras, des produits laitiers. Aussi avoir tout ce qui est complément, supplément en vitamine D, comme les ampoules en vitamine D. J'en viens d'en prendre une, c'est pour cela que j'ai pensé que c'est bien de vous faire cette vidéo, un tout petit rappel, et effectivement s'exposer au soleil, parce qu'effectivement le soleil permet la synthèse de la vitamine D.
Voilà pour ces 8 symptômes de la vitamine D. Je vais conclure cette vidéo avec une invitation pour celles d'entre vous qui ont quelques jours en fin mai pour venir avec moi un week-end à Sofia. C'est précisément 3 jours que je vous propose plane sur place. C'est-à-dire on va arriver vendredi 18 mars et on va partir le 21 mars. Je réserve un hôtel boutique de 4 étoiles en plein centre-ville de Sofia. Sofia, c'est la capitale de la Bulgarie. Le but de ce week-end, c'est week-end santé, week-end, un week-end pour moi. Un week-end santé, un week-end pour moi. Donc, j'ai les deux titres, donc j'ai longtemps hésité comment l'appeler, mais je trouve que voilà, ce titre-là dit ce qu'il dit. Et en fait, il aura un programme un peu sur la ménopause, pas très lourdingue quand même. Il aura 4 heures par jour, donc en tout, ça va faire 10 heures en tout. 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche, puisqu'on arrive vendredi. Et puis 2 heures encore le lundi matin avant de repartir vers la France. Donc ça fait 10 heures de cours. Ce programme va être fait sur mesure en fonction des profils des participantes. Il est très ouvert pour l'instant. Il peut y avoir plein de choses dedans. En fait, mon but, c'est d'avoir des solutions pour la ménopause qui puissent dans toutes les disciplines diverses et variées. Donc, je me restreins absolument pas. Donc, ça peut être la phytothérapie, la naturopathie, aromathérapie, yoga des hormones ou yoga tout court, la méditation, tout ce qui est, voilà, toutes ces solutions qui sont multiples. C'est vraiment une approche comme on appelle holistique, c'est-à-dire très intégrale et qui puise partout dans toutes les connaissances et toutes les sciences qu'on puisse en avoir pour nous, parce qu'en fait, la ménopause, quand on a plus de 40 symptômes, vous vous en doutez bien qu'on a tellement de problèmes qu'il y a encore plus de solutions. Donc, moi, j'ai tout un réseau d'experts dans plein de disciplines. Moi-même, je suis experte dans 2-3 domaines, donc je peux faire quelques cours aussi, mais je ne vais pas le faire tout moi-même, puisque je ne crois pas au fait déjà qu'on peut être spécialiste de tout. Je crois qu'on peut être expert dans quelques domaines, pas dans tout, de toute façon. Donc, il y aura des gens, mais je vais bâtir ce programme vraiment en fonction de participants. Je vous mets le lien ci-dessous. Si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Donc, c'est le 18, on part le vendredi 18, on arrive en fait, le 18. Mais, à Sofia, à partir de l'Europe de l'Ouest, donc je ne sais pas où est-ce que vous êtes, en Belgique, Suisse, la France, etc., la partie francophone en tout cas, jusqu'à Sofia, c'est 2h, 2h30, c'est pas très loin. Et puis, c'est une ville qui est très chouette. Donc, on va arriver le 18, samedi, dimanche, on fait juste les cours le matin et tout l'après-midi, on aura suffisamment de temps pour visiter, avoir des aspects culturels, gastronomiques, boutiques. Sofia, c'est une ville qui est extrêmement agréable. Et puis, lundi matin aussi, la matinée, et puis on départ dans l'après-midi. Les vols sont très peu chers pour Sofia, la vie à Sofia est très peu chère. Donc, regardez l'offre ci-dessous et moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, juste likez là-dessus, partagez et puis abonnez-vous à cette chaîne. Je vous embrasse les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.